Il dit, c'est rien passé. Il y a plusieurs options. Oui, je sais. Ça toque aujourd'hui quand même. Ah, c'est ce que je disais, ouais. Déjà, ça démarre bien là. Bon, là, ça commence à taper parce qu'on est con et on s'arrête en plein milieu d'un carrefour, au milieu du goudron, au milieu du soleil. Alors que 5 mètres plus loin, sous le poteau, là, qu'est-ce qu'il y a? Profite. Tu démarres? Profite un peu. Ah, celui-là, il est très bien. C'est... Voilà, on garde. Putain, à chaque fois, j'arrive pas à m'en souvenir. J'étais sur le goûteur, là. Avec la maxi-tête, là. Avec le casse de con. Je te le sors. L'excuse de connard. Profite un peu de merde. Non, mais le pire, c'est ce genre de petite phrase, ça part chelou. C'est ça, c'était l'autre chose, t'as rien à répondre. Le profite un peu, ça, ça passe vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi le tu veux que je te le sors. Putain, non, va falloir que je la regarde aussi. Putain, c'est pas possible. Si, si, mais c'est très bien ça. Très, très bien. C'est celui sur l'aire d'autoroute, si je me souviens, là, quand elle veut conduire et que tout le monde se casse, même que la voiture recule. Mais toi, t'aurais rien que je te conduise. T'as un manuel qui fait une marche arrière tout seul. Avec la station essence en IA, là, en le truc, le disque à la con, il t'emmerde. Fin de distribution. Putain, c'est pas vrai, ça ne marche jamais, ces merdes-là. C'est pas vrai, c'est un foutage de gueule, ça, tu vois. C'est un pauvre disque avec trois répliques dessus. Le pauvre disque, il t'emmerde. Ça, c'est très, très bon. Oula, ça part sur du fur là. C'est bizarre, il y a un truc qui va pas là. D'où on s'arrête pas à un carrefour, ce que c'est cette merde. Ah quand même. Tu vois, là je suis rassuré. Il y a du doute, c'est normal. Je me souviens d'une petite chute dans ce coin-là. Là, ça j'approuve. Putain d'arbre de merde, j'ai fait une grosse erreur là. C'est à toi cette petite trace de roue qui va droit vers l'herbe là. Il y a un truc mon gars. On croit un passage secret. Ça douille ? Non, ça douille. Ouais, ouais. Finalement, je sais pas si la montée de... Tu la préfères en descente, c'est ça ? Monument aux morts. Elle est pas moins pute. Ouais. Bah, et comment ? Oh la vache ! Ah ouais, non, mais il y a quelque chose. Hein. Putain, je vais m'acheter des pneus de vélo là qui te font 40 cm de large. Ouais, mais tu vas rester collé dans les lignes droites après. Ça va être une chenille, je veux te dire. Si ouais, ouais mais je te rattraperai là. Tu vas passer 30 mètres de sable et après, pendant 20 bornes, tu vas en chier. Alors là, celle-là, le sable, c'est... Oh, putain. En fait, ça, c'est vraiment du terrain typique. C'est typique, hein. Typique... La fausse montée de merde pendant 10 bornes, là. D'un pilotage et le piloto. En fait, il faut... Là, c'est de la conduite. Hein. Là, c'est du... Non, mais c'est surtout qu'après, il faut jouer sur les vitesses, tu vois. Faut tout le oui, voilà. Après ça, c'est l'expérience. Hein. Je pense de se péter la gueule, ouais. Quoi? Ah putain, oui. Oh là. Ah oui, il y a du gros chantier, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi, inondation? Oui. Non. Attends, mais genre inondation. Inondation de camp. Il n'a pas vu qu'il pégale moi. Ça, c'est moche, ça. Très bizarre. J'irais bien juste à la longue du truc pour voir si ça continue. Bah moi aussi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils refont juste la route, ils avaient pas d'autres panneaux qu'inondation et puis faire du problème hein. Bon spot pour s'arrêter encore. Moi j'aime bien, j'approuve. Je crois que c'est assez... Plein soleil. C'est ouais. On respire. Normalement je crois que c'est là le petit chemin là. Oh là, on roule hein, parce qu'on a déjà quasiment oui, oui. 6,5 quand même. Ah ouais, ouais. En fait, faut bien attaquer l'arrivée sur un pont. Il y a plusieurs options en arrière. Hein. Parce que si on traverse... Les options, je les connais. Hein. En fait, si on fuit le GR. Ouais. Ouais, c'est le GR. On est où? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Bon, vas-y, explique-moi ta merde. On est là. On oui, est là. Voilà. Bon, d'habitude, généralement, on prend le GR. Oui. Enfin le GR jusqu'à un point, puis après on oui, rejoint. Oui, parce que là, tu sortais de la forêt. Et là, on arrive et puis on prend la petite tangente jusqu'au... Tu vois, ça. Ça, c'est la route où on s'est attends, rendu quoi célèbre. Ah oui, non, oui, là, oui. Ouais. Là, on arrive là. Ça, c'est la route où on s'est rendu célèbre par une navigation. Ah. Hein, voilà. Oui, voilà. Et on arrive sur le tunnel ici. Non, pas du tout. Bah, ça va trop vite. C'est pas visible, tu vois, c'est fou. C'est même trompe-l'œil, tu vois. Bah, oui. Sinon, alors, on peut faire ça, on peut prendre le petit GR. On arrive ici. Sur la petite route derrière Apremont. On prend la route,
en contour en carré point, quoi, en fait. Ouais, voilà, enfin, en contour. On arrive au carrefour où il y a une petite. J'espère que ça t'a cédé. Et puis bah, après, là, il y a. Oui, donc on fait tout le grand tour en sens inverse, quoi. Là où il y a la petite virgule, là. Et après, on arrive. Je transpire du chocolat, là, je sais plus quelle fois, où. À la montée de la route de la première. La petite descente en lacet, là où j'avais failli me prendre un rocher. Ah oui, mais ça, c'est qu'une fois qu'on a traversé. Oui, c'est ce que je mais te dis. Mais ça, ça serait remonté. C'est une fois que tu passes de l'autre côté. Ouais. Oui, bah oui, merci, oui. Ouais. Sinon, on trouvera peut-être un autre truc. Ah, mais c'est moins dur que. Bon, c'est pareil. Dibord, c'est regarde, quoi, Dibord. Une fois qu'on arrive ici, que tu ailles là, et que tu fasses ce truc-là, ou que tu arrives là, et que tu fasses ce truc-là, c'est pareil pour rejoindre le parking de la Tremont. Tu veux rejoindre où là? Bah, le petit parking du resto là, l'autre oui. Truc ouais. Et tout ça en fait, tout ça c'est plat, tout ça c'est de la descente. Là il y a des montées et des descentes, parce que tu descends ici et après tu remontes là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et après tu vois tout ça c'est plat parce que là si tu fais ça, là tu vas remonter ici sur ce rond-point là. Ah, on va être plus après, dans, y a la descente, dans les gorges du coup. Il y a ça et voilà. Après ça on rejoint le chemin reste, mais on arrivera à la mare derrière. Ouais, écoute, je sais pas. Je prendrais bien pour le coup le deuxième, effectivement. GR jusqu'à Apremont. Ouais, ça c'est porteur. Route jusqu'au bar. Voilà. BR au bar. Petit plat, petit plat, petit plat après en Sam, mais c'est de la vue, hein, c'est comme ça. Souterrain. Puis bah, après, on arrive à la mare, si on arrive à se passer paumer. Dans l'autre sens. Mare, Croix-Blanche. Après, ah oui, donc oui, non, si on repart sur si rattrape Marc Croix Blanche, oui, ça veut dire qu'on part sur la gauche et à droite pour attraper la seule. Hein. Bon, on avisera sur place. Ouais. On est pas là. Oui, non, ça c'est sûr. Je le fais pas hier. Et là, tu te dis, c'est bon, là, on est passé. Que nenni. Il y a l'autre versant. Parce que là, mine de rien, bah, ça monte pas mal. Oh là là là, ça patine sur l'arrière. Ah, c'est pas mal, t'as réussi. Très, 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 très bon là, ouais. Bien, on avait quelques-unes qui étaient traîtres. Ouais. Il y a un gros trou à l'arrivée. Ah, j'ai rien dit. Hein. J'ai senti des petites hésitations là, du gauche-droite, gauche-droite. Non, pas du tout. Oui, voilà. Voilà hein. Pour mieux connaître le terrain. Exactement. Putain, c'est du gros. Oh, c'est vrai. Oh là 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 là, merde. Ouais, bah. J'ai pas regardé assez loin là. Putain, c'est tout terrain là. Putain, je me suis ruiné la cuisse. Je t'ai lâché un coup de frein. J'ai commencé à te faire un tonneau. Là, le passage juste en face, là, je m'en souviens. Même si ça a bien changé quand il y avait 20 cm de neige, mais... Oh là là là, ça te monte des murs, ça part en escalade ces conneries. Il va falloir qu'on se prenne des... Ça, des ponts aériens. Ouais, c'est ça. Non, mais la prochaine fois, il va falloir prendre des mousquetons et des piolets. Hein. Ouh. On aura fait de la gorge. Oula, je suis bloqué. Oula, de calcul là. Là, on parle de ponts aériens. Là. Bon. Bah voilà, une petite crèche. Ce passage, on le connaît. Hein. Enfin, on le connaît. Hein. On va pas se rappeler d'une certaine fois où on tournait en rond. Non, je crois que ça. Hein. On avait fait demi-tour, non, non, ouais, voilà. Il s'est rien passé, je crois. Oh, putain. Je t'ai senti en mode d'un coup mise en sécurité. Elle est où la route? Merci, je l'ai. Tu disais quoi tout à l'heure? Non, c'est pas là. Ce qui serait bizarre, c'est qu'on n'a pas coupé la route. Ouais, je te confirme. Ou alors, c'était la route de tout à l'heure, là, la descente. Ils l'ont arrêté, ils ont enlevé le bitume. Tiens, fais donc péter. Donne-moi ça, ce petit escroc qui part se cacher. Bah non, je fais un point carte. Ouais. Si on navigue à vue, mais on peut avoir des surprises. Bah, on peut naviguer à vue, mais sachant qu'on n'arrive pas à voir une route. Bon. Franchard, tout le monde. Ah bah oui, on est là. On est là. Le truc, on est même plus sur le côté de la carte habituelle, quoi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu sais qu'on allait plus loin que la route où on devait aller. C'est ouf quand même. C'était sûr. Et c'était pas où on devait pas traverser là où on s'était arrêté justement dans la grande descente là?
Enfin, là où on a remonté un mur ou un truc comme ça. C'est complètement hallucinant cette histoire. Merde. Tu vois ? Ça peut être bien en haut, si je peux le voir. On est là. Alors que tiens, on avait vu. Attends, mais quoi ? On avait vu le GR en fait au rond-point. On devait rattraper. Et on devait descendre tout droit là. Et le problème, c'est qu'on a suivi le GR. Maintenant, putain, c'est là où je t'ai dit. C'est là où je t'ai dit, ouais, il hésite, il regarde. Non, mais. Mais quel escroc ! Donc en fait. Tu m'en voudras pas, hein, je repasserai ce moment. Oh non, étude du terrain. Quel putain d'escroc. Oh, c'est touriste, c'est terrible. Hein. Il y aura donc jamais un parcours. Non, mais en fait, là, on peut. Oui, cherche encore. Non, en fait, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options, on a. Il y a plusieurs options. Donc, soit on va à gauche et on finit notre idée de garder le soit on prend le GR à l'envers. Donc, soit on assume jusqu'au bout, soit on revient un petit peu. Là, il peut y avoir, je pense, une petite descente sympa. Ouais, c'est ce que je regardais. D'un côté, là, t'as une petite descente. Là, après, ça reste relativement calme. Et on peut s'attendre à une remontée en face, peut-être. Mm. Je sais pas, mais. Petite remontée, mais ouais, il y a un petit massif, là, il y a un petit massif. Et que là, on doit être à beaucoup moins que ça. Putain, on est à Barbizon. C'est vrai qu'on est on est à 5 minutes de la sortie de forêt, quoi. Ah oui, non, mais on est pas loin. Bon, on revient derrière. Bon, c'est pas derrière, c'est pas derrière. Non, voilà. Différemment, c'est pas pareil. Non, mais faut être précis. Non, c'est sûr, on sera de l'autre côté de la route. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est... C'est important de le dire. C'est important de s'en convaincre aussi. Quoi ? Une petite erreur. Non, regarde, on a une petite cabane, regarde-moi ça. Si tu passes à côté d'un chef d'œuvre comme ce point de vue, tu peux faire une petite vue. Je crois que t'avais parlé de la cabane. Non. On a juste fait une boucle, hein, regarde. En fait. Oui, c'est ça, c'était là. Tu vois, en plus, je t'ai parlé de ce chemin qui descendait, je trouvais bien. C'est, ouais, bien sûr, ouais. Ah, ça va quand même être con de l'avoir remonté cette petite route. Hein. Parce que elle est quand même vraiment exceptionnelle avec ses petits virages, non? C'est de la route de montagne, ça. Ah ouais, il y a du doute dans ce sens-là, hein. Non, je sais que c'est là. Mais c'est juste que... Je prenne un peu d'eau, quoi. Putain, on a bien fait de prendre un tonneau, hein. Ça a été vraiment comme des connards, là. On aurait été vraiment marrant, là. Ça va vite dans l'autre sens, mais... C'est ça, c'est... Dans l'autre sens, mais là... Pas aussi long. Qu'est-ce que c'est que ces arrêts de merde ? Oh là là là, c'est terrible. Comme ça gâche tout l'élan. C'est ça qui va me brûler comme excuse quand tu vas arriver 20 minutes après. Mais non, mais on était lancé à la croix blanche, je me dis putain, pour une fois qu'on s'arrête pas là et qu'on trace. Je m'arrête à Londres. Oui. La prochaine fois je m'arrêterai en plein soleil à la croix blanche, pour la peine. Dis donc. On s'arrête toujours sous la croix blanche en plein soleil, un début de parcours. Hein. En plus. Je sais pas tellement ce que ça changerait du coup. Hein. Menace de merde. Bon, bah un bon petit parcours, hein. Sympa, ouais. Sympa.